Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je fais une vidéo où je parle et c'est pas n'importe quelle vidéo puisque c'est ma première vidéo vlog. Cette année, grâce à mon ami, j'ai la chance d'assister aux Energy Music Awards. Voilà, nous avons gagné des places et du coup je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un peu comment c'est, comment ça se passe et j'espère que ça va vous plaire. Donc on se retrouve après The Générique. Alors on se retrouve, nous sommes du coup le samedi 20 novembre en direct de la gare de Montpellier. Il est 6h25 et nous partons à Cannes. Alors on se retrouve, on est arrivé à Cannes, donc il était midi 13 à peu près. On est venu nous chercher en van, une sorte de van. Hein. Un minibus. Voilà, un minibus van. Et ils nous ont emmenés à notre hôtel. Ils nous ont expliqué un peu comment la cérémonie ça va se dérouler. Ils vont venir nous chercher à une heure précise pour y aller. Et on nous a dit que nous on sera dans la fosse pendant l'émission, donc c'est un truc de fou. Ils nous ont dit qu'on pourra toucher les artistes et tout, donc c'est incroyable. Et en plus, ils sont trop choux, ils nous ont donné des CD énergie, on a même un panier repas. Franchement, c'est un truc incroyable. Énergie, vous êtes les bestes. Voilà. Mais vraiment, merci. Alors, on se retrouve ici, puisque malheureusement, j'ai pas eu trop le temps de filmer directement là-bas. Donc, je vais tout vous raconter et vous mettre plein de vidéos et de photos. Donc, ensuite, après la précédente vidéo, donc on est parti se promener à Cannes sur la Croisette. Donc on a fait des photos, tout ça. Et ensuite, on est allé essayer de voir les artistes. Donc on a vu Jérémy Frérot, on a vu McFly et Carlito. Donc j'ai une photo avec l'un d'eux. Ensuite, on a vu Angèle, on a vu Slimane, on a vu Gibbs, où j'ai eu une photo aussi. Donc toutes les photos, je vous les montrerai à la fin de la vidéo. Et ensuite, j'ai vu Kenji. Voilà, et donc dès qu'on a vu Kenji, après on est parti. Puisqu'on devait se préparer. Ensuite, on est parti se préparer puisque on devait être prêt vers 16h30, donc on devait partir. Je vous montrerai les tenues juste après. Ensuite, on nous a distribué nos places. Donc voilà, je vous laisse admirer la place, comment quand même elle est trop belle. En plus, sur la mienne, donc il y a Louane, il y en avait avec Ed Sheeran dessus, je crois. Dua Lipa, je crois qu'il y avait Dua Lipa aussi. Et l'original, genre avec marqué énergie. Donc c'est cool, elle est trop belle. Voilà. Et ensuite, donc on est parti en bus jusqu'au palais. Et c'est vrai que c'était quand même un peu long, on nous a fait beaucoup attendre, mais il y avait l'animateur énergie qui nous a accompagnés, qui a terminé l'ambiance. Et qui m'a même demandé de chanter. Donc au début, j'étais pas trop chaud. Et puis après, j'ai chanté Bébéto. Donc je vais éviter de mettre une vidéo. Hein. Mais voilà, quand même, c'était drôle. En plus, il y a tout le monde qui m'a applaudi. Donc, c'était quand même chou. Voilà. Et ensuite, donc, quand ce fut le moment de rentrer, donc on est passé devant tout le monde et tout. Mais on est passé par derrière. On n'est pas passé par le tapis rouge. Je pensais qu'on allait passer par le tapis rouge. On est sorti par le tapis rouge, mais on n'est pas rentré. Donc, du coup, ensuite, on est rentré dans la salle. C'est vrai que je ne m'attendais pas à que ce soit aussi petit. Quand même, c'est une toute petite salle avec une toute petite fosse, mais en vrai, c'était grave beau. Donc, nous, on a eu la chance de se placer tout devant. On s'est mis au premier rang et on était grave bien placés. Ensuite, il y avait un chauffeur de salle qui nous a un peu expliqué comment ça se déroulait la cérémonie, ce qu'il fallait faire. Donc, il nous incitait beaucoup à applaudir, à crier. Donc, c'est vrai qu'à force, c'était un peu fatigant. J'en pouvais plus d'ailleurs.
J'avais ma voix vraiment cassée. Là, ça va, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué à force. Et voilà. Du coup, ça a vraiment été une expérience incroyable. C'est vraiment quelque chose de fou à faire au moins une fois dans sa vie. Donc, c'est fou aussi de voir autant d'artistes, que ce soit des artistes internationaux ou même français. Vraiment, c'est vraiment génial. Surtout que j'ai vu beaucoup d'artistes que j'adore. Hein. Surtout Ed Sheeran, j'étais vraiment contente de le voir. Je ne l'avais jamais vu. Donc, franchement, c'était trop bien. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à l'enregistrement, quoi. Et il y a des choses où je ne pensais pas que ça se passait comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses. Donc, voilà, je vais vous partager plein de vidéos de la cérémonie. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Kenji qui suivent cette chaîne.
ou que ce soit sur les autres réseaux aussi. Donc, je voulais parler aussi que j'étais vraiment heureuse d'avoir pu être là pour ces remises de prix, notamment pour les disques de diamant. Donc, Kendrick qui a vendu 5 millions d'albums en tout. Ce n'est pas rien, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il mérite tellement. Donc, c'était fou d'avoir pu être là. Donc, je mettrai aussi les vidéos. Et puis, après un moment, donc, on a changé de place. On s'est retrouvés derrière le pupitre. D'ailleurs, normalement, on me voit bien aussi quand il gagne, du coup, la chanson francophone de l'année, avec évidemment. Donc, on a bien fait de changer de place et d'avoir pu être là, surtout pour cette victoire. Donc, je vous mettrai aussi la vidéo. Donc, il était vraiment heureux, c'était trop beau à voir et tout. On était tellement fiers, nous aussi. Donc, vraiment, les moments comme ça, c'est les meilleurs. Donc voilà, je mettrai plein de photos, de vidéos et vraiment, je suis vraiment fière de lui qu'il ait gagné tout ça. Donc c'est vraiment génial. Mon cher Kenji, nous sommes très heureux de vous remettre ce disque 10 fois de diamant. Non mais 10 fois de diamant. 10 fois. Non mais c'est plus qu'un symbole. C'est plus qu'une récompense, c'est un chemin de vie, parce que en quelques années, vous avez gagné le cœur du public, en quelques années, vous avez j'ai la réponse. Chanson francophone de l'année, la chanson que vous avez plébiscitée, chers amis, est celle. Un artiste que je connais bien. La chanson s'appelle évidemment c'est bon, et surtout, elle a saisi l'importance de ton succès. Oh mon Dieu! Donner et recevoir la montre. Je ne crois pas que j'accueille ce soir. Et c'est surtout pour moi. Mes chers amis, merci, merci énormément. C'est juste incroyable. J'ai déjà eu cette chance et la revivre encore 2 ans ou 3 ans après, ça fait du bien en tout cas. Voilà. Je suis très content. Merci à tous les gens qui m'ont fait confiance. Et on va écouter cette chanson que j'ai fait avec tout mon cœur. J'ai l'embrasse aussi mon ami Vianney avec qui on l'a fait. On a passé beaucoup de temps en studio. Et mon ami, mon cher Renaud Bio, avec qui on a fait pas mal de chansons, avec qui on va refaire encore. On a plein d'idées grâce à Dieu et on espère aller encore plus loin. Je veux remercier toute mon équipe avec qui on fait des belles images, on fait du bon travail à chaque fois. On fait des week-ends de la famille, on a des gens merveilleux. Il y a des belles gens qui ici, tout le monde avec mon ami, ils sont prêts, Tadjou, tout le monde, Tarek, tous les amis, j'espère qu'il y a personne, Vita, Slimane, Amel Bent, tous mes amis, voilà. Je veux remercier tout le monde, les énergies, la maison de disque et tout le monde. Merci. Merci. D'autres artistes, bien sûr, qui rentrent. Et surtout, voir Kenji pour encore le féliciter, puisque j'ai eu de la chance de le féliciter aussi pendant la cérémonie. Donc, voilà, donc on a vu Slimane, Juliette Armanet, donc j'ai eu aussi une photo avec elle. Et puis, bien évidemment, on a vu Kenji, on a pu le féliciter et lui parler. Et j'ai eu aussi une photo avec Envy. Donc voilà, franchement, ce week-end a vraiment été incroyable. Enfin, surtout ce samedi. Et voilà. Ensuite, le dimanche matin, vu qu'on avait un petit peu de temps avant de reprendre notre train. Donc on a essayé d'aller voir d'autres artistes aussi. Et on a vu Louane, Attic et Léna Situation, qui est beaucoup trop chou. Et j'ai eu une photo avec elle. Donc vraiment, c'est vraiment incroyable. Du coup, je vous partage toutes mes photos juste après.
Donc voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez aimé ma petite aventure à Cannes. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vlogs. Si ce format vous plaît, j'essaierai d'en faire d'autres selon les événements que je fais. Bon, après, je fais beaucoup de concerts. Donc, pourquoi pas faire des vlogs de concerts aussi. Et puis, surtout, je vais terminer par des remerciements. Remercier la personne qui, grâce à elle, j'ai pu faire les Energy Music Awards. Donc, merci Emma, puisque c'est grâce à toi si nous sommes allés là-bas. Donc, je te remercie. Et puis, merci infiniment, bien sûr, à Energy Méditerranée et à Energy. Voilà, donc sur ce, je vous dis au revoir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur mon découvert et pourquoi pas d'autres vlogs. À bientôt!